Bonjour, je vais vous présenter la préparation d'une injection d'hydrocortisone en cas d'urgence. Donc nous avons un flacon de poudre et un flacon de solvant. Donc le solvant, vous allez le présenter face à vous du côté d'un petit point blanc qui va vous permettre de l'ouvrir avec facilité. Hop, on le casse avec un petit mouvement sec. Ensuite, vous enlevez la protection jaune du flacon. Vous allez prendre une petite compresse, mettre un petit peu d'alcool et désinfecter le flacon. Puis vous prenez la seringue de 2 ml qui va nous permettre de faire la dilution. Vous l'ouvrez, vous prenez votre seringue, puis on prend l'aiguille verte. Qu'on ouvre et qu'on va fixer sur la seringue. Cette seringue va nous permettre de prélever le solvant et de le transvaser dans le flacon de poudre. Donc on prélève la totalité du solvant et on l'injecte en tenant le flacon comme ceci, et on injecte la totalité du solvant. Vous retirez l'aiguille et on va agiter un petit peu pour que la préparation devienne parfaitement homogène. Voilà. Et puis vous avez deux seringues de 1 ml qui permettent chacune de contenir 50 mg d'hydrocortisone. Donc une première seringue qui va permettre d'injecter 50 mg et une deuxième si besoin est pour faire une deuxième injection un petit peu plus tard. Donc on ouvre la seringue, on enlève la petite protection orange de l'aiguille. Le plus facile, c'est de tenir le flacon entre vos deux doigts et de piquer, toujours pareil, au centre du flacon avec la petite aiguille, en faisant doucement parce que c'est une petite aiguille très fine pour ne pas la tordre. Et ensuite, c'est là qu'il faut tirer délicatement et doucement, toujours pareil, pour que la manipulation soit plus simple. Voilà, jusqu'au chiffre 1 qui correspond à 1 mg, 1 ml. Voilà, votre injection est prête. Vous allez maintenant la faire en sous-cutané. Donc ça va être soit dans le bras, soit dans le ventre, soit dans les cuisses. Donc là, on va piquer notre petite bébête. Donc on présente ici l'aiguille perpendiculaire au ventre dans laquelle vous avez fait un léger petit pli. Et on pique. Et vous injectez doucement. On attend 10 secondes, donc on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on retire l'aiguille. Voilà, vous devriez vous sentir mieux au bout de 10 minutes. Si dans les 10-20 minutes, il n'y a pas d'amélioration, vous pouvez faire la deuxième injection.